Nous retrouvons en ligne de 1 Barfeuille Henriette de La Réunion. En ligne de 2, Dégouille Lauriane de Dijon. En ligne de 3, Lombard Émilie de Saint-Ouenet. En ligne de 4, Lelurch Clara de La Rance. En ligne de 5, Jeannot Camille de Quimper. En ligne de 6, Boucher Anaïs de Pont d'Arc. En ligne de 7, Bartolomo Enola de Tampouenet. En ligne de 8, Del Nesté, Manon de Bushmen. Et en ligne de 9, Barbon, Candice, Dancy. Au centre du bassin, à suivre la ligne de 5. Et puis tout près de nous, en ligne de 1, de La Réunion. Bien placé, Henriette Berfeuille. Allez, Camille! Ça va se jouer avec la ligne de 5, Jeannot Camille de Carnouillet. Ça nous fera 5, 1, 6, 4. Et voilà, c'est parti donc pour cette quatrième série. Allez, en attendant le résultat de cette quatrième série des Canadiens cadettes, petit retour sur... les temps effectués des vétérans 4, la première série avait été remportée par le Lièvre Eric de la CBB en 42-95 et la deuxième série par Bétoncourt Jean en 45-36. Et dans les deux premières séries des cadettes, nous avons eu Jeannot Camille en 51-07. En deuxième série, c'était Bono Dorine en 50-27. Alors bien détaché, un bateau d'avance au milieu du bassin, Eliette Karoff de Landerneau qui va aller remporter cette quatrième série. Deuxième position en ligne de 4, le maillot de Boulogne-sur-Mer d'Apolline Poyer. Ensuite on a 8, 3 et 2. 8, Esther Delpage du Haut-Sillon. Lyon, ligne de 8, Deschamps, Pauline de Dijon et ligne de 9, Sanson, Emma. D'Antoinet, voilà, ces demoiselles viennent de partir des starting blocks. Allez, déjà un petit peu détaché du groupe au centre du bassin, ligne de 5, Hué Esline de Créteil. La Birmanaise juste à côté, t-shirt rouge, baguette rouge, ligne de 6. Rouzolou, déjà détaché maintenant à 50 mètres de l'arrivée, aucun souci pour la ligne de 5, Iseline, qui va remporter facilement sa série. Ça nous donne 5, 6, 7, 4, 3. Voilà, donc c'est parti pour cette première série du canoë dames cadette. Au milieu du bassin, en ligne de 4, Élise Lancial, bateau blanc, maillot de Saint-Laurent-de-Langy, qui a pris à mi-course déjà un bateau d'avance. Les quatre premières en finale, il n'y aura pas de souci. Elle est à 50 mètres de l'arrivée pour Allez, Amélie de 4, Amélie qui va remporter facilement cette première série. Ensuite, deuxième position pour sa coéquipière Claire Villot. On n'a pas dit son dernier mot du côté oh là là, de Nevers avec Margot Ligue 2. Allez, Amélie Allez, Amélie 2, 3, 4, Claire bon. Villot, Ligue 2. Margot Poitvin et ligne de 5, Amélie Levert. Voilà, c'est parti donc pour cette dernière série. C'est 3 et 5. Alors à mi-course en ligne de 5, Léa Jamelot de Quimper qui s'est légèrement détachée devant Amandine Lotte, la Nancéenne. Troisième position pour la ligne de 6,
Jolanecker. Et quatrième place, 5, 4, 6 et 3. 5, Léa Jamelot. 4, Amandine. Lot 6, Marjolaine Eke. Et quatrième position pour Léa Cour. C'était Niloise Oulimata Fall en 53-79. Et la deuxième, c'était deuxième série, Eugénie d'Orange d'Auxerre en 51-36. Alors, on retrouve au milieu du bassin le maillot d'Auxerre, Marie-Charlotte d'Orange. Bien détaché un demi bateau d'avance sur la piste. Et par contre, c'est je pense la ligne de 8, Flavie Olry de Gérard B. Le nom du champion ou de la championne, vous avez. Ah, ça y est, c'est parti donc pour cette deuxième série des K.O.M. Junior 200 mètres. Allez, bientôt à mi-course. La ligne d'eau 5 et 6 qui se détachent. Rémi Charéro de Limoux, ligne d'eau 5 et ligne d'eau 6. Édouard Hautebourg de Lézac. Allez, Rémi Charéro qui en met un coup là maintenant, du club de Limoux. Rémi Charéro, ligne d'eau 5. Juste derrière, Édouard Hautebourg de Lézac. Et puis la 4, la 2 et la 9. La 4, Morgan Lelguen. De 6, ligne de 7, Le Cul, Malo de Quimper. Ligne de 8, Dubu, Alexis de Lyon. Et ligne de 9, Giorgrand. La suivante, Florian aussi, la ligne de 5, Saint-Grégoire, puisque c'est un spécialiste aussi du 200 mètres, qui ne s'aligne que sur le 200 mètres, Anthony Lodin. Et ben voilà Anthony qui a déjà pris une bonne option à plus de la moitié de ce 200 mètres. À suivre aussi la ligne d'eau 3, il me semble. Hey, Malo ! Aucun souci toujours pour la 5, Lodin Anthony de Saint-Grégoire. Ça nous donne 5, 6 et ça va être super chaud entre le 7 et le 3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette Nicolas de Saint-Ouenay, Lindo 3, Vasseur France de Saint-Laurent-Blangy, Lindo 4, Beaumont Jean-Michel, Lindo 5, Surani Thomas, Lindo 6, Mestre Nicolas, Lindo 7, Poulot Sylvain, Lindo 8, Martin Mathieu, Lindo 9, Juin Théo. Allez, un bateau commence à se détacher, il me semble que c'est au centre du bassin, le Bisontin, Lindo 5, Surani Thomas. On a retrouvé hier sur le podium du 1000 mètres. Voilà, aucun souci pour Thomas Surani. Suivi de la ligne 6, il me semble, pour l'instant, Maître Nicolas de Boulogne-sur-Mer. Alors, ça nous donne 5, 6, 4, 7. Je rappelle 5, 6, 4, 7. Avec une belle arrivée. Pas mal sur cette troisième série et puis à suivre la ligne de 5 au centre du bassin. Il était hier sur le podium du 1000. Titouan, aucun souci pour le 5, il me semble que c'est 5-1-4. 5, ligne de 9, Kazimi Zachary de l'ACBB. Allez, top, voilà, c'est parti pour cette quatrième série. K1 homme, K2, on en est à la moitié. Je vous rappelle, il envoie là. Série, il a intérêt à envoyer cette catégorie. Il n'y a pas beaucoup. Ouais, allez, Julien ! La ligne de 3 qui se place bien déjà à mi-course. Attention aussi à suivre. Allez, Julien ! Allez Julien, placé aussi pour la
ça nous fait 4-3 et il me semble 8-5-6-3-8 lors d'arrivée pour cette... La troisième place qui permet d'accéder à la finale entre le 7 et le 3, il n'y a rien de fait a priori. Je pense que la ligne de 7 de Maxime Andrea de l'ACBB, ligne de 8, c'est parti. Colline de Quingé, ligne de 9, pas terrible son départ. Kévremont, Justine de Dijon et ligne de 10, Jegou, Elisa de Rouen. Allez, c'est parti pour cette première demi-finale des quarts. Allez Camille, Camille C'est parti. Voilà, elles sont parties. Les jeunes filles de la quatrième demi-finale. Alors pour l'instant, pas trop de décisions. Ligne de 4, Emma Allègre. Ligne de 5, Eliette Caroff. Et 6, Claire Bréin sont légèrement devant leur concurrente. Pour l'instant, ligne de 5. Eliette Caroff, 4 Emma Allègre, 6 Claire Bréin. Et voilà, c'est parti. Deuxième demi-finale. Les deux premiers accèdent directement à la finale A. Allez, Robert ! Allez, Robert ! Romain Saliba de Créteil se sont détachés, passent en tête à la mi-course. 6, le Rouennais Florian Bougenel va remporter cette deuxième demi-finale. Deuxième place, 5, Romain Saliba. Et entre le 3 et le 4 pour la troisième place, on va attendre. Voilà, c'est parti. 30 secondes de bateau, elle s'est cassée la gueule. Encore deux places à prendre. Avec un gros départ en ligne de 5 du Breton de Saint-Grégoire, Antoine Le Gall, qui passe la mi-course en tête avec à côté de lui le garçon de Libourne, Martial Dumartin, pas mal parti également. Antoine Le Gall toujours en tête et il y a un beau retour là du Libournais de Martial Dumartin. Alors 5, 6 a priori et 2. 5, Antoine Le Gall, 6. C'est parti. Anaïs Boucher, à la 2 Estelle Carrier-Cambrai, ouais, je reconnais le maillot de Cambrai, à la 3 Pauline Ollier, Boulogne-sur-Mer, 4 Capucine Dubu, Lyon, 5 Margot Muller-Sivry, 6 Henriette Berfeuille de La Réunion, 7 Marine Guillermeau-Quingé, 8 Malouette Le Gallo-Quimper et 9 Nicolas Compion de Lille. Alors elles sont à mi-course et il y a 9 bateaux alignés. Rien de fait avec Cambrai, peut-être Estelle Carlier. Allez, Malouen ! Capucine Dubu de Lyon. Capucine Estelle qui ont un petit avantage. Et puis tout là-haut, de Quimper, Malouen, Le Gallo. Cambrai, 2, 4 et voilà, entre la 1 et la 8. Alors 2.
2, c'était Estelle Carlier, 4, Capucine Dubu. Et ensuite, Cossorog Saint-Jean-de-Laune. Ils ont déjà parcouru 40 mètres environ. Il aime bien le 200, c'est différent. Alors, au milieu du bassin, on a le maillot de Saint-Laurent et également Ligno 3. Il est pas mal du tout. Alors, au milieu, c'est Tom Delabre avec le bateau noir, rouge, orange. Et puis à ses côtés en ligne de 6, de Quimper, Maxime Doré, 5, 6 et après peut-être 8 et 9. Tu confirmes que c'est lui ou quoi? Je crois bien. Ouais. Oui, c'est lui, oui. C'est lui, il est Allez, ça va s'enchaîner parfaitement. Voilà, on vient d'avoir l'arrivée des CAOM. Morgan, il est en ligne de 2, mais je sais pas où est Malo. Malo, c'est tout bateau, on fait pas le point. Ligne de 7, non, 6, 7, non. Oui, il est là-bas. Il est même plus, 8. Il est 8, c'est vraiment dernier. En 2, 2, 2. Ligne 2. Il est en ligne de Malo. Malo est pas mal, hein, qui... Il faut qu'il relance un coup. Troisième. Oh, ouais, deux. C'est pareil. C'est pareil. C'est Gwen, Morgan et Antoine. Allez, c'est parti pour Léa. Amélie Levert, Quimper, 9, Christine Joulin, 2, Lézac. Allez, jingle pour la cérémonie protocolaire des V2. Encore avant, 8. Ouais. Allez, en bas du paquet. Allez, cérémonie protocolaire de la catégorie 1M. Les médailles sont remises par monsieur Patrick Bérard, vice-président de la Fédération française. Allez, on va laisser, voilà, Tom Lee vient d'arriver. Médaille de bronze, il nous vient du club de Boulogne-Billancourt. Monsieur de Baume, à la 2, Dorine Bonneau de Roussillon. À la 4, à la 3, pardon, Eliette Caroff de Landerneau. 4, Lourouze et Vernon. 5, Islinouette Créteil. 6, Camille Trioin, Strasbourg. 7, Camille Jonot, Quimper. 8, Alice Eblachef de... C'est parti.
Allez Camille! Je ne sais pas s'il y a des podiums, qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, merci de me tenir au courant. Qui a pris une bonne option devant Strasbourg, Camille Trioin et puis la Vermonaise Louzé. Qui remporte donc ce but de champion de France devant la Strasbourgeoise Camille Trioin et la Vermonaise, je pense, Louzé. Protocolaire du K1 homme vétéran. Course en ligne, notamment Sarah Troel, ligne d'eau 3, Saint-Grégoire, Gabriel Tulleux, ligne d'eau 4 de Tours, Léa Jamelot, ligne d'eau 6 de Quimper, c'est parti. Joanne Maillère en moins de 23 ans de Mulhouse, et bien sûr Sarah Guyot. Ça y est, c'est parti, Sarah Guyot de Tours, ligne d'eau 5. C'est parti pour cette grande finale. Qui va remporter le titre de championne de France 2015 de la catégorie K1 dames senior 200 mètres? Sarah Guyot qui passe la mi-course en tête, juste devant, je pense, Léa. Allez, Léa! Sarah Guyot, ligne 4, Gabriel, tu le de tour, de Tourangelle, sur le podium a priori, avec... La série des cadeaux cadets, Malo, qu'il a emporté assez facilement. Allez, c'est parti. Allez. Hey, crétin ! Allez, Quimper ! Les trois, les six premiers bateaux passent en demi-finale. C'est parti. Alors la deuxième demi-finale du kayak biplace homme cadet à mi-parcours sur 200 mètres au milieu du bassin en ligne de 5, Saint-Grégoire bien parti. Avec en ligne de 6, Dijon. Saint-Grégoire, ligne de 5 qui va se qualifier facilement pour la finale avec Dijon et puis ligne de 7 a priori Saint-Quentin. C'est parti. Pour la finale du kayak biplace cadet Crépel au milieu du bassin, ligne de 5 pour la partie avec également les arcs. Et puis Lyon, les arcs Crépel, Lyon a priori 6, 5, 4 ou 5, 6, 4.